Ok, je fais cette vidéo pour aider ceux qui postent les vidéos sur leur chaîne et qui ont les commentaires désactivés. Bon, le process est simple. Vous allez sur YouTube, sur Play Store. Ceux qui ont les téléphones Android, vous allez sur Play Store. Et ceux qui ont les téléphones, les iPhones, par exemple Apple Store. Bon, chez moi, vous voyez, quand on est sur Play Store directement, comme c'est une application, vous allez normalement écrire YouTube Studio. Donc, écrivez YouTube Studio, vous écrivez YouTube Studio, et dès que vous avez YouTube Studio, vous lancez le téléchargement. Ceux qui n'ont pas encore l'application dans leur téléphone, bon, comme moi j'ai déjà l'application, j'ouvre directement YouTube Studio. Vous voyez, quand on ouvre, vous allez vous rendre compte que ça va me mettre directement sur ma page YouTube. Et une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On clique soit sur une vidéo. Dès que vous avez cliqué sur une vidéo, vous allez vous rendre compte que, bon, pour ceux qui ont les commentaires désactivés, vous allez vous rendre compte que, au niveau de visibilité, c'est plutôt privé, c'est soit privé, ou soit vous avez mis une restriction. Vous vous rendez compte que chez moi, c'est voici comment normalement vous devez avoir, au niveau de visibilité, ça doit être public. Au niveau des restrictions, on doit avoir aucune restriction par rapport à la vidéo. Bon, quand une fois c'est OK, avec ça, quand tout est conforme ainsi, vous pouvez avoir vos commentaires activés. Bon, je vais recommencer pour ceux qui n'ont certainement pas bien suivi le process. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application YouTube Studio. Une fois l'application est téléchargée, vous ouvrez l'application. Quand vous ouvrez l'application, quand vous avez une chaîne YouTube, ça vous met directement sur votre page YouTube. Quand vous êtes sur la page YouTube, directement, vous cliquez soit sur une vidéo. Quand vous cliquez sur une vidéo, vous avez l'interface qui s'affiche. Il y a visibilité, il y a restriction. Il faut vous rassurer qu'au niveau de la visibilité, c'est public et non privé. Au niveau de la restriction, qu'il n'y a aucune restriction. Une fois que votre page ou votre vidéo a été paramétrée ainsi, vous êtes certain que vos commentaires seront activés à tout le monde. On pourra à ce moment faire les commentaires sur la vidéo que vous avez publiée sur votre chaîne. Donc, le process est aussi simple. Maintenant, je vous recommande donc d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et surtout liker la vidéo, partager et commenter. Je vous attends maintenant dans les commentaires pour ceux qui peuvent encore avoir un souci de compréhension. On pourrait échanger dans les commentaires pour que vous ne vivez plus cette situation désagréable. Je vous remercie. À la prochaine.